J'exerce depuis 1983, où j'ai fait mon apprentissage, et jusqu'à maintenant, quoi, en faisant d'autres métiers en même temps. Alors au départ, je voulais être ébéniste, oui. Et je n'ai pas trouvé d'apprentissage à l'époque, puisque j'étais une fille, oui. Donc dans la menuiserie, ça ne se faisait pas. Donc mes parents ont fait réparer leur canapé, et puis ça m'a plu, et je suis rentrée en apprentissage. L'idée, c'est de changer que le milieu. Concernant la tapisserie d'ameublement, il faut déjà démonter, oui. Avant de remonter, oui. Avant de coudre s'il y a de la couture à faire dessus. Oui. Et si c'est un siège auto, il faut tout démonter. Et là aussi, tout découdre pour reprendre le patron, pour faire la coupe et pour recoudre avant de remonter. Je vais donner du temps à l'outil en main, oui. Ouais. Oui, parce que ouais. Je peux me gérer mon temps comme je le veux, donc ouais. Il n'y a pas de souci pour ça. Quoi. L'idée de transmettre, oui, ça me plaît, je le fais, je l'ai déjà fait pour des enfants d'amis, à leur apprendre la couture, par exemple, ou à les faire bricoler des petites choses à mes petits-enfants. J'ai 4 petits-enfants, donc j'en ai 2 qui ont 7-8 ans, qui commencent à bien coudre à la machine, et, etc. Quoi. Donc ça, oui, j'aime bien transmettre. Oui.